Et bonsoir les amis, bonsoir, 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 bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau live. J'ai complètement oublié d'allumer la lumière. Hop, ce sera un petit peu mieux, ce sera un petit peu plus net. Comment est-ce que vous allez les amis? Je suis très content de vous retrouver. Bonsoir Reda, bonsoir Teibo qui est là, bonsoir, bonsoir Logan. Comment vas-tu mon Crax? Eh ben ça va super bien mon Reda, j'espère que vous aussi, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Nous on s'était quitté jeudi soir, puisqu'effectivement moi j'avais mes meilleurs potes qui venaient tout le week-end, donc du coup j'étais pas très disponible, pas du tout disponible en fait vendredi soir. Donc voilà, il y a Axman qui est là également, j'espère que ça s'est bien passé pour vous aussi. Nickel, nous on a passé un très bon week-end, ça fait plaisir, ça permet de recharger un petit peu les batteries avant de repartir sur une nouvelle semaine. Alors, c'est là qu'on passe à la mauvaise nouvelle, les amis. Petite semaine, puisque, regardez, on va directement passer sur le planning. Seulement 3 lives cette semaine, et en fait, il n'y aura plus de live après pendant une semaine, puisque je serai sur Paris, donc je ne pourrai pas streamer. Donc, on va se retrouver ce soir et demain soir pour tout simplement des lives sur The Last of Us. On va terminer The Last of Us partie 1. Mercredi, c'est une grosse soirée multigaming. Va y avoir du... et merci mon Ruben. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Et bienvenue, MacGoffin Marker, sur Paris Fan Festival. Alors, c'était pas prévu. Le fan festival, mais c'est vrai que c'est ce week-end, donc peut-être dimanche, rien de sûr, mais j'ai un anniversaire samedi soir, du coup, je sais pas, samedi c'est sûr je pourrais pas, mais peut-être dimanche, c'est vrai que j'avais complètement oublié le fan festival, peut-être. Ah c'est vrai que t'y es, Axman, écoute, on va se tenir au courant. J'ai des invites si tu veux, on se connaît. On se connaît, MacGoffin. Ton pseudo ne me dit rien du tout. Veux-tu décliner ton identité? C'est vrai, MacGoffin, ça me dit rien du tout. T'es à Paris, j'aimerais trop venir. Écoutez, oui, je serai à Paris. Voilà, je serai à Paris du vendredi. Romain Red Dead. Ah oui! Oui! Effectivement! Là, comme ça, c'est plus simple. Oui, il faut que je te réponde à ton MP, Romain. J'ai plein de messages. Oui, Romain, c'est bien. Romain, à toi que je t'ai envoyé un MP, hein, que je me trompe pas de message. Oui, voilà. Je sais bien ça. Voilà, faut que. En plus, écoute, si tu es à la Fan Festival, ce serait trop cool de. En fait, je voulais te voir pour te parler d'un petit projet. Donc carrément, salut Mathis, bienvenue, et salut Neymar aussi, bienvenue Neymar. Écoutez, moi en tout cas je serai à Paris de vendredi, jeudi je suis sur Lyon, vendredi je suis à Paris, et j'y reste jusqu'au vendredi 21, donc pendant une semaine. Donc écoutez, s'il y a des gens sur Paris, faudrait qu'on essaye de se capter, ce serait cool, mais on va voir en cas dimanche pour faire le fan festival. Je te renvoie un message Romain, mais en cas on va faire ça. Dimanche, allez, dimanche fan festival. Comme ça, je vois Romain, je vois Axman, je vois ceux qui veulent venir y être. Comme ça, c'est fait. Donc voilà, donc comme je disais, c'est pour ça que du coup, pendant une semaine, il n'y aura pas de live. On reprendra les lives vendredi 21. Et je pense que le week-end du 20 avril, du coup, enfin du 22 avril, on fera le marathon CTR, qui était en donation goal. Je pense que ce sera le dimanche 23. Dimanche 23 avril, bam, 14h, je lance le live à 14h et j'arrêterai le live une fois qu'on aura terminé CTR à 100%. Voilà, comme ça ce sera fait. Donc voilà, mais en tout cas, mercredi, grosse soirée les amis. On fait une soirée K-Culture, Gartic Fun, sans doute du Make It Meme, du Among Us, etc. Il y aura de mes potes, il y aura des modos, etc. On va tester une première soirée. Si ça marche bien, on fera les soirées abonnées comme ça. Donc voilà. Et Younes qui arrive. Salut mon Younes. Bienvenue à toi. Voilà un petit peu le programme de la semaine. Du coup, j'espère que vous êtes chaud. Moi, en tout cas, je suis bien chaud.
Chris, que penses-tu que tu vas répondre aux questions du vrai ou faux de l'édition 50? En tout cas, merci, l'édition 52 était super comme d'hab. J'ai pas fait l'édition 50. Là, il y a le vrai ou faux de Naughty Dog Mag qui est en perdition. J'ai eu un gros problème. En fait, j'ai enregistré temporairement, bah, vous l'avez vu, sur ce setup-là de stream, et mon micro a buggé. Et j'avais pas le retour au casque. Et du coup, en fait, il y a un gros grésillement, bourdonnement. Horrible, complètement horrible. Donc, je suis en train de trafiquer les pistes pour que ce soit un petit peu meilleur. Mais voilà, vous allez voir que là, pendant quelques temps, sur Roxarmageddon 6 ça va être des setups temporaires. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est bizarre que j'ai pas répondu à l'édition 50. Je vais me le noter, ça. Parce que je crois que l'édition 50, je l'avais fait. Vrai ou faux? Là, c'est la 52 qui vient de sortir. Ouais, c'est la 52. Ok. Donc, vérifier épisode 50. Voilà. Voilà. Comme ça, je vérifierai. Et bienvenue à toi, Yoctaz. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que vous avez passé un bon week-end de Pâques, en tout cas, les amis? Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que ça a été en famille? Est-ce que ça a été entre amis, est-ce que ça a été au boulot? Il y en a malheureusement qui travaillent. Dites-moi, les amis, un petit peu ce que vous avez fait lors de ce week-end de Pâques et si ça s'est bien passé. Si vous avez mangé beaucoup de chocolat, surtout. Surtout, surtout. T'as fait quoi, toi, Reda, pour week-end de Pâques? T'as eu des chocolats? T'as été gâté un petit peu ou pas? Moi, je suis en train de préparer aussi. Du coup, ce soir, c'est The Last of Us partie 1. Donc, on est là. Tac. Hop. Voilà. Oula, la play qui a bugué. Hop. Et toi, Chris, ça allait bien ce que j'ai vu? Ouais, nickel. Nickel, nickel. Bah, ça faisait super longtemps. Je me suis fait une fondue chinoise. C'est tellement bon, la fondue chinoise. Tellement bon. On valide. Et ouais, moi c'était cool. Bah, en fait, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu avec mes potes. Parce que bah, fin d'année, c'est moi qui bosse. Puis bah, de toute façon, fin d'année, c'est toujours la galère pour tout le monde. Ensuite, début d'année, moi j'étais à New York. Donc ça faisait bien 5-6 mois qu'on s'était pas vu. Donc voilà, c'était cool de se faire un bon et long week-end. J'ai pris des coups de soleil et oui, j'ai pris les photos sur Instagram. Des coups de soleil déjà au mois d'avril. J'ai passé le week-end à rattraper les vidéos YouTube que j'ai pas pu regarder. Ça, c'est un bon programme. Hein. Au moins, tu t'es pas fait chier. Hein. Tu t'es pas fait chier. Je sais pas combien de vidéos t'avais en retard. Moi, je crois que je compte même plus le retard que j'ai sur les vidéos maintenant. C'est fini. Il y a beaucoup trop de retard. Mais ça, c'est un bon week-end, ça. Je t'ai promis, tu vas les avoir. Bah écoute, tu m'envoies ça quand tu veux, mon Reda. Bon, une bonne dizaine. Ah ouais. Si c'est des vidéos Rockstar Mag à 10 minutes, ça va. Si c'est des vidéos à la Squeezie qui font 50 minutes. Un petit peu plus délicat quand même. Hein. C'est un petit peu plus délicat. Nous les amis. Ah oui, forcément, CTR. Ce week-end, il y a eu des soirées. Enfin, oui, ce week-end, il y a eu soirée CTR. Je peux vous dire que il y en a qui ont pris tarif. Mais nous, on est sur The Last of Us. Ah, ce week-end, ça a été week-end où ils ont testé la VR, etc. Il y a eu pas mal de choses. Hein. Moi, j'ai joué à RE4. Ok. Toujours RE4, mais ça fait combien de fois? Tu l'as terminé combien de fois? 15 fois depuis qu'il est sorti. Il y a un peu de tout, il y avait de la randonnée de 30 minutes et du let's play de 1 heure. Ah ouais, bon, en tout cas, bon week-end. Ça, c'est les bons week-ends où tu fais pas grand-chose, tu restes sur le canapé. C'est voilà, c'est le week-end qu'on aime. C'est les week-ends qu'on aime. Hop. Tac. Et bah, pour continuer comme il se doit le week-end, les amis. Nous, on part sur The Last of Us. On continue The Last of Us. Puisque souvenez-vous, on avait déjà bien entamé. On avait bien entamé, le printemps est là, vu en l'été. Ouais, le printemps, c'est la meilleure saison. Après, l'été, il fait trop chaud. Hein. J'ai regardé le documentaire de Seb Lafrit. Il est beau. Ah oui, j'ai entendu parler, ouais. J'ai entendu parler. Bah, fait un speedrun, le jeu. C'est chaud. Ah, sur R4, ouais. Je viens de refinir The Last of Us partie. Ah bah nous Romain on l'enchaîne après. Là on finit, bah du coup demain soir on finit The Last of Us. Et quand je reviens de Paris,
On enchaîne sur The Last of Us Partie 2. Là, les amis, on en était à la fin de l'été, comté de Jackson. Quand Sam et Henry nous quittent. Pas loin de Jackson, non? Quelques kilomètres, pas plus. Allez, c'est parti. Avoir ton frère adoré. Je serais content d'arriver. Ah, l'été fait trop chaud, moi je crains l'été, moi. Je sais pas ce que je ressens. Moi, faut savoir qu'à partir de 22 degrés, ça commence à être la canicule pour moi. Du coup, Team Printemps, quand même. Hein. Le premier, en vrai, c'est une intro. Ah bah, le premier, totalement d'accord avec toi. Le premier The Last of Us, c'est quand même un peu le... une mise en bouche. En mode... Et après, bah, on a la partie 2 où là... Tiens. Les décors toujours incroyables. Ah bah oui, les décors... Même là, sous la flotte, où c'est pas très joyeux, c'est un peu grisâtre. On a des panoramas, des décors incroyables. C'est un voyage. Le premier, c'est vraiment, ouais, un petit voyage. Tommy et toi. Si vous êtes séparés, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est juste qu'on n'était pas d'accord sur un point. Ah, nous y voilà. J'écoute, hein, il parle. Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. C'était comment, votre dernière rencontre? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été « Je vais plus jamais revoir ta sale tronche ». Eh ben... Mais il va nous aider? Ça, on va le savoir très vite. En tout cas... Annonce du lourd, hein. On y arrivera. Avec la petite musique, là. Allez, on continue. J'espère que vous avez pris vos places pour le concert de Gustavo Santaolalla en juillet. Hein. Road trip, c'est un vrai genre cinéma. Ah mais carrément, le premier c'est vraiment une introduction, un road trip. Ça là-bas, c'est une centrale hydroélectrique. Avec quelques moments difficiles, mais beaucoup d'espoir, beaucoup de... Il existe encore un moyen de s'en sortir. Et The Last of Us Partie 2 par contre... Comment ça fonctionne. Un petit peu la catastrophe. Il est en concert au Bataclan le 16 juillet 2023 là. Et il faut se dépêcher parce que les places commencent à être un petit peu limitées. Ça nous amène à mi-chemin. Si on lève la deuxième, on pourra traverser. Ouais, tu... Bah va voir sur le... Est-ce qu'on a partagé ça sur Naughty Dog Mag? En tout cas, tape Gustavo Santaolalla Bataclan juillet 2023 et tu auras comment ça s'appelle il reste encore des places, hein, mais ça commence à partir vite. Ah, pour produire le concert, putain, ça serait incroyable. Tu m'étonnes. Après, il est en pleine tournée européenne. Il avait fait Madrid l'année dernière, il refait Madrid. C'est peut-être pas déconnant d'essayer de le contacter, hein. Honnêtement, enfin de contacter sa boîte de prod, ceux qui gèrent ça, hein, parce que à mon avis c'est pas déconnant, parce que ouais, il était à Madrid, j'avais loupé Madrid et là du coup il passe à Paris et à mon avis ça va être assez exceptionnel. Ok Ellie, il faut que je sais que je rentre sur cette foutue palette. Allez, let's go, Lily. Bizarre, on dirait que Joël, il a pas de corps.
Salut le groupe, c'est un petit coucou. Salut Private Eyes, comment ça va? Bon matin à toi du coup. Je me rappelle jamais s'il y a des choses à récupérer au fond de ce lac. Après, il doit y avoir des trucs, hein. Hop. Est-ce qu'il y a des trucs à construire? On va reconstruire un sur un. Hop, voilà. Est-ce qu'on lui met un vent? Est-ce qu'on lui met un vent? Mais bien sûr que non, on lui met pas un vent. Voilà. Privé d'électricité pendant 60 heures. Putain, mais c'est vraiment la guerre là-bas. C'est vraiment la guerre chez vous. Toujours à cause des tempêtes de neige? Ah, c'est incroyable. Je sais, moi aussi. Bon, le prochain écureuil, je lui fais sa fête. Une fois passé cet endroit, on essaiera de trouver à manger. Bon, si je meurs de faim, ce sera ta faute. Attention, petit moment badant. Laisser ce sale robot sur sa tombe. Qu'est-ce que je dois en faire? Ellie. Quoi? J'ai envie qu'on en parle. Non. Pourquoi pas? Combien de fois est-ce que je dois le répéter? Les choses arrivent, mais on avance. C'est juste... Ça suffit. T'as raison. Désolé. Contraste un peu différent avec la série où c'est plutôt... Faut qu'on arrive. Ellie qui n'a pas envie d'en parler et qui skippe un peu le passage. Là, c'est Joël qui est toujours un petit peu fermé, qui ne souhaite pas en parler. Comment t'as trouvé mon mur? Bah très cool, mais il sera encore plus cool dans quelques jours. Y a pas d'autre chemin. Passons par la centrale. Fameuse centrale. Oula, je l'ouvre. Ils sont en train de fouiller la centrale, ils passent à côté. Tu vas me dire qu'ils sont jamais tombés dans cette cabane où on a trouvé. Enfin, il y a une nouvelle arme, quoi. Je te jure, ça fouille pas très bien. Pas rentrer là. Ça a brisé les branches, endommagé la distribution au plus fort de la crise. Oh, c'est horrible. J'avoue que j'aime la neige, mais à ce stade-là, pas tellement. N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne. Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdu. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où? Tout va bien. Tu les connais, ces gens? Lui, oui. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh merde. Comment tu vas, petit frère? Oh putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. Que 100 000 clients? Oh. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est vrai que sur 1 million, c'est bon. Ça beaucoup, bien mais 100 000 clients de gens sur l'électricité, c'est énorme. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est. C'est elle qui dirige cet endroit. Madame, merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici?
la musique. C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer? Ouais. Ok. T'as faim? Oh, carrément. Du coup, je regrette. En fait, cette partie-là du jeu, c'est celle que, que j'aime le moins. Fausse alerte. C'est celle que j'aime le moins. Et il y a plein de bandits dans le coin. La partie du barrage, en fait. Qu'est-ce que tu fous ici? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. Et justement, j'aurais trop voulu qu'on ait Jackson. On avait mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux? On en a plein, même. Hé, hey, Tommy, donne-moi un coup de main. Désolé, je reviens. Je peux? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse les oreilles. Tu es déjà monté à cheval? Eh ben... Yeah, Flotinho. Bienvenue. Quand est-ce que t'as monté à cheval? C'est Winston, un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Yo, mon Spicy! Coucou, comment ça va? Eh, hey, merci, Tommy. Bienvenue, Soleil, ça fait plaisir. Allez, on continue la visite. Ça fait plaisir. La crève, aïe, aïe, aïe. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Soigne-toi bien, alors. Ce matin? J'attends toujours Couser et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Je me cale avec mon paquet de mouchoirs. Va rejoindre ta famille. J'en ai plus que pour 2 heures, ça ira. Et j'espère... Bah, c'est Philippe qui va leur prendre soin de toi, là. Prends-moi du raid, mais je vais te vendre du raid, tu vas voir. Sur The Last of Us, de toute façon, c'est pas très compliqué, c'est le jeu qui vend du rêve. Hein. Maria. Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle, Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon, j'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange quelque chose. Joël? Allez, Ellie. Laissons les gars. Et merci le grand Fredo pour le follow. Bon, je vous envoie Tommy. Bienvenue à toi. Allez. Bienvenue à toi. Ce sera la 6e fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. J'ai quelque chose pour toi. Hey, X-Bank, bienvenue. J'ai tourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Cette photo aussi que je regrette tellement. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. T'es sûr? J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy... Écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars vite fait. Allez. Ça aussi, cette photo, je regrette vraiment qu'elle n'y ait pas été dans la série. C'est un tout petit détail, mais pour moi... La petite foulée du petit Tommy, là. Hop, hop. Je sais pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 familles, maintenant. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit pour vivre de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On pensait que ce mode de vie était mort et enterré. Et pourtant... Et niveau sécurité? Les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique quand la centrale marche. Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein? Comme partout. Faut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé. Tu parles comme Marlène. Joël qui prépare le terrain. Salut toi. C'est Buckley. C'est pas un bon chien de garde. Mais j'aime bien l'avoir ici. C'est un bon chien. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Je crois que c'est la bonne cette fois. Quoi, tu ne crois pas? J'ai pas dit ça. Je te parie 1 million que ça marche. Ok.
Je trouve vraiment que c'est la partie du jeu qui me fait le moins kiffer. Vraiment la partie du barrage. L'ambiance, l'univers. Mis à part la conversation avec Tommy qui est quand même bien important. Mais sinon, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas la partie que je kiffe le plus. Augmentation d'attaque sur son arme. Oh, on en a 273. Oui. Je sais pas ce qu'on augmente. Le fusil à pompe, je l'avais déjà tout fait. Je peux pas faire plus. Mais il me faut un. Salut le grand Fredo, hormis le multi de The Last of Us, tes attentes pour Naughty Dog pour le prochain événement de PlayStation? Ah bah une nouvelle licence. Hein. Une nouvelle licence. Clairement. Hein. Perso, j'attends que ça. Ça on peut pas. Fiche plus de dégâts. Ça c'est bien. Ah franchement une nouvelle licence, vraiment ce serait top. Je kifferais tellement The Last of Us Partie 3, mais c'est comme du côté de Rockstar en fait. C'est toujours bien d'avoir un peu de nouveauté, un peu de neuf. Donc et une nouvelle licence qui n'arriverait pas trop tard quoi. S'ils annoncent une nouvelle licence et que c'est prévu pour dans 3 ans, voilà. Mais genre une nouvelle licence pour par exemple l'année prochaine, ce serait assez excellent. Comment ça? Non, c'est mes attentes. C'est mes attentes, mes envies. Il y a pas encore de nouvelles licences annoncées, mais ce serait mes attentes et mes envies. Tac. De rechargement pas. Ils peuvent traverser les planètes. Ouh, ça c'est pratique. Ça c'est pratique. Hop. On va tout modifier ce qu'on peut modifier. Et il faut que je trouve la cinquième caisse à outils. C'est bizarre que je l'avais pas trouvé dans mon premier run. Ça on peut pas. Augmente la capacité de munitions. Ça peut être pas mal. Rapidement. Est-ce qu'on a on peut augmenter les capacités sur celui-là? On a un passe 3, mais trop tôt pour l'annoncer. Une nouvelle licence. Alors, après, trop tôt. Ah, capacité de chargeur. Trop tôt, je sais pas. Hein. En vrai, ça fait déjà 3 ans que The Last of Us Part 2 est sorti. Je sais pas. Personnellement, je pense que. Je pense en tout cas qu'ils vont annoncer un truc cette année. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais voilà. Ça ira. On verra si j'ai raison ou non, mais je pense, et c'est pas impossible et c'est pas déconnant, qu'ils puissent annoncer un petit truc. Alors bien entendu, on va avoir les infos et les annonces autour du multi. Hein. Okay, c'est bon. Je pense même que le multi pourrait sortir cette année. Mais je pense qu'en plus de ça, ils vont peut-être nous annoncer quelque chose. Voilà, à voir. C'est bon. Tommy est là. On peut y aller? Juste une petite seconde. Ok, c'est bon. Prêt? Vas-y, démarre. C'est parti. Ils prennent pas en plus à la hauteur des problèmes. Mais carrément. Ça, après, je me fais pas de soucis pour Naughty Dog. Franchement, sur ça, je ne fais pas trop de soucis. Je pense que. Voilà. C'est impressionnant. Ils savent qu'ils sont attendus là-dessus. Ils savent que. Déjà, il nous faudrait un showcase. C'est vrai. Ça, c'est pareil. C'est sûr qu'il va en avoir installé. Alors, est-ce que ça va être en septembre? Ce sera plus tard, mais. Est-ce que ce sera en juin? Je sais pas, mais. C'est
Voilà, ce moment-là qui est important. Il nous donne à tous une seconde chance. Début juin, c'est les rumeurs, hein. C'est les rumeurs. Pourquoi t'as quitté Boston ? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Je connais par cœur. Écoute, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici ? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi ? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là. Tu te fous de ma gueule ? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour Ils le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos ? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein ? Te remercie ? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé ? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça ? On nous attaque. Cette intensité, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Allez, on passe en mode gamer. Allez. Ok, ça commence très bien. Tommy, couvre-moi. Mène-toi. Alors, où qu'ils sont ? Tommy, couvre-moi. Ça fait gaffe. Oh, putain, il m'a fait peur. Tommy, il a failli prendre une balle perdue là. Il m'a fait flipper sa mère. Ok, y'a rien. Ok. Le stream, je recommence les The Last of Us. C'est bon ça. J'aime bien quand je vous influence comme ça là. C'était les shows. C'était le gunfight des shows. Tu vois, là, pour me mettre en forme. Et là, ça y est, on y va et on pète tout. Là, c'était vraiment. Voilà. Merde ! T'es mordi ! Arrêtez-les ! Les laissez pas entrer ! Putain, trois balles comme ça pour le buter. Solide, solide le bonhomme. Hein.
Mais El Diablo. Ah non, le con, j'ai bougé. Restons pas là. Et salut Attila, comment ça va moi Attila? T'as passé un bon week-end de Pâques? Quoi? Ah d'accord. Vous voyez quelque chose? Ils sont là. Allons à la passerelle. Tommy, des bandits, ils entrent dans le bâtiment. Vous pouvez sortir? Non, on est coincés. Bougez pas, bougez pas. On va... Ils sont là. Amy, cache-toi. Rien. Et... Ça a l'air drôlement compliqué. Mais Joël, on est en train de se faire, on est en train de se faire assiéger là. Le mec est en train d'examiner la charpente là. Pas foufou les armes que j'ai là. Mais qui est con? Mais qui est con? Il passe devant au moment où je tire. Aiden Lynx, mais là... Là je me suis un peu fait niquer quand même, parce que l'œil de Lynx... je pensais quand même que la balle était dans sa tête. Bâtard.
Tommy, couvre-moi. Là. Et voilà, ce fils de pute. Bon. Je te suis. S'il y a des munitions, je prends. Parce que je commence à être un petit peu à sec là. Visiblement, y a pas. Ok. Bah, je vais me démerder, hein. Je les entends. Bon appétit, Younes. À tout à l'heure. Les gars, si vous pouvez me laisser un petit peu de... Il est avec nous, lui, ou pas? Bah non, il était pas avec nous. Voilà. Ça, c'est fait. Toujours pas de munitions par ici. Des pilules, on prend. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ici là? Ah voilà, des munitions de revolver, on prend aussi. Bam, tac, on prend. Du coup, Tommy, ici, qu'est-ce qu'on peut manger? La confection. Ah non, mais on va prendre maîtrise du serin. Donc faut que j'attende. Putain, il m'a fait peur, mais c'est un dingo le Tommy. Ah voilà, ça, nickel. Là, là, les gars, vous avez pas des trucs à nous donner, là, un petit peu? Ah, si. Voilà. Hop là. Lui, on se prend une petite balle perdue, ça lui fera pas de mal. Ici, y'a quoi? Oula. Attention. Mais putain, Tommy, barre-toi! Mais putain, mais barre-toi! Mais putain! Mais qu'est-ce que c'est, sac à merde, ce gars? Putain, mais l'IA, bordel! À toi, tu... Là-haut. Yo, mon loïko! Re... Hop. Tac. On va quand même garder celui-là, on a plus de munitions. Même si du coup je me suis fait griller. Hop. Là. Il y a le flingue. Là, tac. Ah mais j'ai plus de... Là. Il y en a un petit là. Lève ta tête pour voir. Et où l'autre? Ah, ça lève sa tête. Mais il est avec nous lui pour juste dire. Sur qui il tire lui? Putain mec, depuis tout à l'heure tu tires, t'arrives pas à l'avoir, y'a qui là? Barre-toi. Ouais super, putain c'est moi qui prends. Mais putain! Ah oui c'est Ellie dans le cabanon. Mais putain, c'est encore moi qui prends la balle perdue, bordel! À toi. Là-haut.
Ça rend fou, bordel. J'en avais deux tout à l'heure. Ouais, je me suis fait niquer là. Bon, il est où l'autre? Il est là-bas. Voilà. Ça, c'est fait. Oui, il y en a un autre. Bien sûr. Oh putain, je l'ai pas eu. Là, je l'ai eu. Là. What? Quoi? Quoi? Mais le mec était derrière le mur. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Putain, mais on va la recommencer combien de fois cette séquence là? Il y a 10 mecs, il y a 3 mecs qui se battent en duel là. Oh, lui il se prend 4 balles, il meurt pas. Les gars, moi faut doser hein. Non, t'énerve pas. Bah qui me parle hein? Qui me parle? Ah voilà, là on a 2 munitions. Oula. Merde. Voilà. Lui, on va prendre lui. Là, lui, on va le charger aussi. Voilà. Allez, let's go. Oh le bâtard! Putain! C'est un plomb. Il commence à me péter les couilles, lui. Mais barre-toi! Mais barre-toi! Putain, mais Lias, hein, pète les couilles! Ça va aller là ou... Maria ! Putain ! C'était bien trop chaud. Bon, cassé les couilles ceux-là, je vous le dis. Hein. Ça va ? Ouais, ça va. Joël ! Oh merde ! Ils arrivaient de tous les côtés à la fois. Et puis Maria a dit, écoute, il faut courir. Alors, on a plongé derrière cette table. Calme-toi, et calme-toi, écoute. Hey, hey, tu es blessé ? Non ! Il faut que je te parle. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Maria, je veux pas avoir ça. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdu ici aujourd'hui? Hey, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est en rapport avec moi? On parlera de ça plus tard. Et alors, est-ce qu'il t'a dit où était le labo? On parlera de ça plus tard. Plus tard. Je vois.
Bah dis-lui qu'on en parle sur le Discord. Un seul faux pas et moi aussi je me retrouverai veuve, ok? Ok. Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. Hey Maria. Yo mon Plinks. C'est parti. Quand on parle du loup. Vous. Il y a le petit bout de chou qui arrive. Si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Ce que j'ai pas compris, autant dans le jeu que dans la série, c'est pourquoi Joel n'y va pas avec son frère. Pourquoi ils y vont pas ensemble en fait? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Mais merde. Vers où? Viens! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Salut, okay. MK Kevin. On parle pas de ça ici. Là, tu vois ces traces? Ouais. Allez. Allez. On parle de The Last of Us ou de jeux vidéo. Tout ce qui est lié à GTA, c'est réservé sur les streams GTA ou sur les streams Rockstar. Que ce soit sur Rockstar Mag ou ici. Hein. Mais quand on ne fait pas du Rockstar, on n'en parle pas. Okay, allez. Elle peut pas être loin. On va la trouver, t'inquiète. Quelle tête de mule. Elle fait souvent ce genre de truc? Pas comme ça. Je sais pas ce qui lui prend. On peut pas parler de Red Dead. On peut. C'est juste que GTA 6, c'est le. Si on commence à parler de GTA 6, c'est. Ça part trop. Y'a plus de limites. Des traces. Elle est dans ses bois. Ellie, qu'est-ce qui t'a pris? Salut D'Angelo. Ça va et toi? Le petit bout de chou. Ça y est. C'est trop bien maintenant. Plinks, il a son surnom. Romain, il va dire que les chevaux dans Red Dead sont mieux faits. Là. Je n'ai pas d'infos. Je n'ai pas d'infos. Allez. J'allais dire un truc sur... Mais c'était sûr. C'était sûr. Allez. Je te couvre. Combien t'en veux? Il y en a beaucoup. Vas-y, trop. Je te couvre. Okay. Fais le tour, je te couvre. Tu vas brûler. Oh bâtard. Vas-y, je te couvre. Je vais... Oh putain. What? What? Joël! Ah, c'était sûr. C'était sûr. Je... Putain, mais Tommy, c'est... L'IA, quand même, l'IA, elle est...
Je veux bien que les modèles, mais là l'IA ils auraient pu le retravailler parce que l'IA est très très, très con quand même. Couvre-moi, j'avance. Ah là il y avait Tommy qui était quand même à côté de moi et le mec il m'a laissé me faire démonter par un fusil à pompe quoi. Oh bâtard. D'où, mais il était derrière le rocher à quel moment? Putain! Oh putain, on commence à un côté de moteur ce bâtard. C'est bon. Mais non, mais c'est une blague. Oh putain. Ah con, je voulais recharger. Oh, il y en a partout là. Couvre-moi, j'avance. Mais je suis derrière l'arbre, c'est impossible! C'est strictement impossible! Le perds pas! J'ai failli tirer sur toi mieux. C'était le dernier. Viens, on file aux chevaux. Coucou, oh mon Rekelbox. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Merci beaucoup pour ton petit passage. N'hésitez pas à suivre Recalbox, les amis. Vous êtes passionnés de rétro, bah là, de rétro, etc. Là, c'est le summum, le summum. On était passé sur sa chaîne pendant et tu étais aussi passé sur la mienne aussi, je crois, pendant le confinement. C'était il y a fort longtemps. Hein. Bon, il y a déjà 3 ans. Hein. Fort longtemps, enfin, pas très longtemps en fait. Mais ça paraît une éternité. Bah la version PC, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle mise à jour de 14 Go. Bah, en fait, c'est la mise à jour de vendredi que je n'ai pas eu le temps de faire. Et très honnêtement, là que je suis en train de refaire le refaire sur PS5, je ne sais pas vraiment. Faudra que je teste le jeu comme ça, mais voilà. Le mien, il est où? Voilà. Comme ça, on est à jour. Clairement, je pense pas qu'il y aura un test. Hein. J'aurai pas le temps de le faire. L'avis, il est déjà fait. Hein. Ils se sont précipités. Ils ont demandé à un studio externe de le faire. Proposer un portage. J'espère qui n'est pas à la hauteur du jeu. Et donc voilà.
Ah voilà, nickel mon Axeman. Trop bien, merci. Putain, c'était l'épisode 46. Ah, cette musique. Bah c'est pas étrange qu'ils ont pas testé, c'est-à-dire qu'en fait déjà ils ont envoyé le jeu Day One, on l'a pas reçu avant. Et ensuite bah le jeu était injouable. Et maintenant, est-ce que ça vaut le coup de le tester maintenant alors que tout le monde mis à part en fait de lui mettre un 4 sur 20, parce que le jeu en même The Last of Us c'est un banger quoi. L'histoire, les graphismes, etc. Donc le seul truc que tu avais testé sur ce portage, c'était la qualité en fait. Donc bon, est-ce que... Moi non plus, je pense pas le tester, parce que déjà, j'ai pas le temps. Et voilà. Sois prudent. Hop, on va faire un petit peu du repère. Hey, y a toujours pas les PS3, ils ont dégagé les PS3 dans ce portage. Pourquoi ? Pourquoi avoir dégagé les PS3? C'était un tellement bel easter egg. Ah, y a rien à récupérer là. C'est peut-être après le gunfight. C'est peut-être après le gunfight alors. Oh, on verra. Je me rappelle plus qu'il y avait un rat. Oh, bon, y a des trucs à récupérer dans la cuisine. Ah, voilà. Okay, on est plein. Un petit chiffon, ça, tac, 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 tac. Pas grand chose à récupérer quand même dans cette maison là. Il nous manque quoi? Ah, il nous manque beaucoup de trucs en fait. Hein. Il nous manque beaucoup de trucs. Hop, allez, le moment fatidique. Ma partie préférée du jeu. Du jeu, de la série, je pense. Pas que du jeu. Hein. Ça va super, moi, Attila. Merci beaucoup. Désolé, oui, j'avais pas vu ton message tout à l'heure. Ça va super. Et toi? T'as passé un bon week-end de Pâques? T'as été gâté? Putain, mais y'a aucun loot à faire là! Ah, du scotch. Les ciseaux, si, voilà. Là, il y en a un petit peu là. Putain, mais le ranch en tout cas, avec je sais pas combien de chambres et tout, ça pour faire un petit week-end entre potes et tout, ça doit être incroyable! Ça doit être incroyable. Ou d'y vivre tout simplement en fait. En période post-apo, là, tu vas avec tes potes, tu fais ton petit ranch. Hop, comme dans la ville de Bill, tu pièges tout autour. Et la meilleure de la série, ouais. Ah, à ce moment, Bella Ramsey, Pedro Pascal qui joue très bien. Il manque juste la musique, en fait. C'est pas la même musique et... Et let's go, hein. Let's go. Vraiment que de ça. Les garçons, les films. Décider quel haut mettre avec quelle jupe. Et salut Maxime, bienvenue. Lève-toi, on y va, allez. Et si je dis non? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes? Hein? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur? Que je finisse comme Sam? Je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli y passer? Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy. Je suis pas elle, tu sais. Quoi? Oh là là.
Maria m'a dit pour Sarah. Ellie. Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf... sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Des frissons, les amis. J'ai des frissons. Tu as raison. La musique, le jeu d'acteur. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer. Préparez-vous, on n'est pas seul. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur. Oh là là, cette masterclass. J'ai beau avoir fait le jeu 10 fois, je... Toujours les mêmes... Merde, rien ici, et toi ? Pareil ici ! C'est une blague, comment, mais je suis vraiment un sgeg, hein. Mort, hein. C'est quand même pris une balle de pompe dans la gueule, hein. La machette, à quel point c'était violent. Mais c'est une blague. Jack, à moi, il y a des mecs blindés comme ça. Y a plus personne. Ah, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Bah t'as raté le meilleur moment en fait, Reza là. Allez, on retourne aux chevaux. T'as raté le meilleur moment. C'est bon. Tu veux de l'aide ? C'est bon. Allez. Oh là là, la musique. Coup de machette, ça dure un peu, ouais. C'est pas des zombies, non. Et voilà. Les gosses vont regarder des films ce soir. Il est où leur laboratoire ? À l'extérieur, à l'université de l'Est du Colorado.
Allez, les bigorns. Ellie, descends de ton cheval. C'est une conversation entre Joël et Ellie, Reda. Je vais garder celui-là si ça te dérange pas. Allez, m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais ? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolé d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Tu me connais, je suis têtu. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo ? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête ? Je suis prête. Adios, petit frère. Que seraient les jeux vidéo sans Naughty Dog et Rockstar ? Grave. Ah, grave, c'est deux... Ces deux studios assez incroyables. Bon, dis-moi si j'ai bien compris. Si on foire au quatrième essai, alors on donne le ballon à l'équipe adverse ? C'est ça, c'est un turnover. Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai ? Première tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête ? Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles. Ok, ces bâtiments ressemblent pas à un miroir. Bon, on va sur la place centrale. On devrait avoir un bon aperçu du campus. Allez. Reste ici, Durillon. Et puis franchement, c'est pas un nom, quoi, Durillon. C'est toi qui as oublié de demander son nom à Tommy. Durillon. Alors, je sais pas si c'est une partie qu'ils ont rushée, mais... Mais c'est vrai que la partie avec les infectés, j'aurais voulu la voir dans l'épisode quand même. On peut pas rentrer, j'ai personne pour rentrer. Va-t'en. Et je trouve ça bête qu'ils aient pas nommé le cheval dans... Et salut mon Caxeldine, j'espère que t'as bien fait tes packs faites en parlant de Last of Us. Il y a une épidémiologie qui a décrypté les propos de la série sur le site d'une vidéo YouTube, c'est intéressant à écouter. Allez. Oui, j'ai vu, j'ai pas encore eu le temps de la voir, mais j'ai vu. Faut que j'aille la voir. Je reste avec Durillon. Je déteste ce nom. On fait pas beaucoup de packs dans notre famille. Ah, bah pas de chocolat. Après, en vrai, je pense qu'on est beaucoup à ne pas trop fêter packs. Hop là. La machette, bon, on va la changer puisqu'il y en a une où j'ai... Là, si je dis pas de bêtises, c'était la quatrième. Je sais pas si je peux trop améliorer encore mes armes. Allez, c'est parti. Lui, qu'est-ce qu'on peut lui faire ? Augmente la dispersion. Permet d'utiliser votre arme plus vite. Augmente la capacité en munitions de l'arme entre chaque rechargement. Ça, c'est bien ça. Ah. Réduit le recul, ça aussi, c'est bien. Et voilà, let's go. Ça devrait nous aider. En vrai, on est quand même fabriquer. Tac.
Là, on n'a pas tant de munitions que ça quand même. Hein. On n'a pas tant de munitions que ça. Hein. C'était un poste de surveillance. C'est bon signe. Hop là. Ici, il n'y a pas encore un ou deux trucs à récupérer. Non. Les gens habitaient ici et étudiaient, alors que c'était des adultes. Ouais, étudier, faire la fête, découvrir qui ils étaient, trouver ce qu'ils voulaient faire de leur vie. On parle de lance-flamme. Oui, c'est vrai, mais en route. Je l'ai pas vu. C'est ce que je me disais en plus en arrivant, je me suis dit, c'est là qu'elle lance-flamme. Reste là. Il est où? Ah, il est là, putain. Et je me disais. Voilà. Bien vu, merci Xbank. Je me suis dit en arrivant dans l'université, en mode c'est là qu'on va récupérer le lance-flamme et j'oublie le lance-flamme. C'est un bélier géant. En fait, c'était comme un jour de culte. Allez. Tu parles du sport. Tu l'as dit. Oula. Tu crois qu'ils sont très nombreux ? En route. Je parle des Lucioles. On approche de la fin, oui. Il faut du monde pour une telle opération. Tu crois qu'il y aura des gens de mon âge ? J'en suis pas sûr. On a déjà fait plus de la moitié là. Il y a l'université, après il y a l'hiver. On va faire le DLC Left Behind. J'étais persuadé qu'on devait. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? On dirait des coureurs. Reste avec le cheval. Je vais vérifier. Ah, mais oui, c'est vrai. Oui, je veux pas qu'il s'échappe. Je reviens tout de suite. Alors, attention, on est sur le remake, Maxime. Là, c'est pas le jeu PS3 de 2013. C'est le remake de 2022. Quelqu'un a réparé ce truc, on dirait. Oh non! Ah,
comme une mort. Ah bah. Visiblement tu les infectais dans. Tu les infectais dans le. Dans les escaliers, c'est pas la meilleure. Hop là. Ça c'est fait. Pas des ressources là? C'est fou ça. C'est fou ça. Merde. C'est vrai que l'esquive ça manque, hein. Et c'est vrai que dans le remake ils auraient pu l'implanter, ça aurait été très intéressant niveau point de vue gameplay. Je rêvais de devenir chanteur. Tu décolles. Je suis sérieux. Chante un truc. Ah non. Allez, je rirai pas. Je pense pas que c'est une question de flemme, c'est une question que. Que ça aurait demandé. Je pense pas que c'est si simple que ça que de modifier le gameplay d'un jeu de 2013 et de lui implanter le gameplay d'un jeu de 2020. Parce que quand tu vois le. Le taf qu'il y a eu sur la partie graphique, je pense pas, voilà. Comme le fait de ramper, en fait. En fait, on peut se dire, ouais, non, mais en fait, il pourrait rajouter le fait de ramper, en fait. Mais si tu ajoutes le fait de ramper, ça veut dire qu'il faut que tu surélèves tous les véhicules pour qu'on puisse aller en dessous. Ça veut dire qu'il faut que tu changes le level design du jeu, en fait. Du coup, peut-être que ces types préfèrent se faire discret. C'est pas si facile que ça, en fait. Allez. Ouais, j'ai vu. C'est l'université du Colorado, Maxime, oui. Allez, on va essayer la porte. C'est ici. Ah, je sais pas si ça aurait demandé la motion capture supplémentaire, parce que bah, techniquement il l'avait déjà avec The Last of Us, mais je pense que ça aurait demandé en fait de changer bien plus qu'un simple gameplay, c'était le level design et tout, donc c'était compliqué. Sinon je pense très honnêtement qu'il l'aurait fait. Hop. On a combien de pilules là? Ah, il nous en manque 20 pilules encore quand même. Hein. Oula, je lis le chat en même temps. Il y a une manette de PS3. Ah, il y en a une. Eh ben, en tout cas, ils ont vachement réduit, hein. Mais il y en a une. Ça fait plaisir. Mais ils ont vachement réduit, hein. Comparé à...
comment ça, comparé à comment ça s'appelle à la version PS3 où il y avait quand même des PS3 dans quasiment tous les bâtiments. Là, ils ont vachement réduit. Hein. C'est pas encore la Slim, non. Pourtant, à cette époque, la Slim était sortie, hein, puisque le jeu a. L'Outbreak Day, c'était en septembre 2013. Et la Slim est sortie en septembre 2012. Je me demande combien de temps ils ont tenu. Donc techniquement la Slim était sortie, mais ce jeune étudiant jouait encore sur PS3 FAT à l'époque. Ah non, mais elle est sortie en 2009, qu'est-ce que je raconte? Pas en 2013, en 2012, en septembre 2009 la PS3 Slim. Tac tac tac. On va fouiller parce qu'il y a du. Il y a beaucoup de loot. Hein. Il y a un Blu-ray énorme, je me rappelais plus. Le Blu-ray de Dawn of the Wolf. Je me rappelais plus qu'il y avait des Blu-ray aussi. Énorme. Alors il y avait que le modèle 60Go qui était rétrocompatible. Hein. Les modèles 20, 40, 80Go n'étaient pas rétrocompatibles. Le modèle 60Go, c'est le tout premier qui est sorti. C'était la meilleure console. Elle est juste là, hein. Vous pouvez pas la voir, mais moi elle est juste là. Vous verrez quand le décor sera terminé. Elle était en monolithe noir, donc cette matière un peu brillante, laquée, super belle, avec du chrome. Il y avait 4 ports USB, des ports micro SD, etc. Enfin, c'était une console, c'était encore un bijou de technologie. Hein. Hop. Oh merde, des sports. Par contre, tout ce qui est peluche de Jack and Dexter et tout, de Nathan... Ah non, si, les peluches encore. C'est vraiment... Conquérax sur... Alors, je sais pas du tout. Moi, honnêtement, c'était tellement... Merde. C'était tellement pas prévu que j'aille... Que j'y aille. Que je ne me suis absolument pas renseigné. Mode concentration parce que là on est quand même dans un moment un petit peu critique où on a beaucoup de claqueurs. Attends, quoi? Mais je l'ai pas tué lui là-bas? Ça a grogné derrière moi. Presque la même phase de gameplay avec Abby dans le 2. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je. Par rapport à. Quand on est avec Lev et qu'on doit descendre. Oui, bon. Ça y ressemble, mais quand même.
Ouais, dans le bâtiment, ouais. C'est vrai que ça y ressemble un petit peu. Oh, il y a encore une PS3, mais décidément, dans l'université, ça mettait bien. Hein. Oula. J'ai fait du bruit. Je crois qu'il est totalement impossible de l'éviter, le colosse. Obligé. Ah, quoique. Alors, surtout pas ouvrir cette porte. Surtout pas ouvrir cette porte. Mais. Peut-être que. Ça me semble très chaud. Ils étudient sérieusement vu le nombre de feux. Mais attends, en plus, il y en a encore une là. Oui, il y en a encore une là. Vas-y, on peut voir les jeux qu'ils avaient un peu. Life of Cat et Barbara, ça c'est les Blu-ray. J'arrive pas à lire. Et là, les jeux, ils sont où les jeux? Take Back. Putain, c'est ouf comme c'est hyper net dans celui-là du coup. Hand of Polaris. Lose. We are lose. Nous sommes perdus, ouais. Bah. Bon, visiblement, ils étaient très fans de Hand of Polaris. Puisqu'ils l'ont en 15 exemplaires. Ah, là, il y a quoi là? Overlord Saga. We Are Lost, ils sont très fans de We Are Lost aussi. Et Don't Turn, je crois. Des scalpers. Des scalpers. Grave, ils ont tout niqué. Bon, là, on va quand même se préparer au cas où si le bordel il nous fonce dessus. Voilà, on va prendre les meilleures armes. Ah, et là, bien sûr. Les peluches de Jack and Dexter et Nathan Drake. Forcément. Bon. Oh, il est juste là. C'est sûr que dès que je vais sortir ma tête. Ok. Alors attends. Vite, je suis en panique. Oui. Waouh, l'adrénaline qui est montée là. Parce que je savais pas du tout. Voilà. Et voilà comment on économise pas mal de... Un bolos. Voilà, on a bolos le colosse. Mais là, j'avoue que je savais pas si ça passait. Donc il y a eu une petite montée d'adrénaline. En mode... qu'est-ce qui va se passer? Surtout que là j'étais en pleine QTE. Donc ça veut dire que si Colosse arrivait, c'était foutu, j'étais mort quoi. Et j'aurais eu un peu le seum de tout recommencer. Un petit peu quand même. Bon, c'est quand tu veux Joël. Ah ça, ça fait plaisir. 10 pilules là. On doit être à 65 du coup. 70, plus que 5 pilules. Allez là, y a pas 5 pilules qui traînent dans un tiroir là, des adolescents là, tu vas pas dire qu'ils prennent des pilules. Parce qu'ils sont malades bien sûr. Hein. Ça là, c'est pas des pilules ça? Non putain. Il me faut 5 pilules! Tu
Ça me dire que là ça traîne pas là dans les trucs là. Tu es un boss, Chris. Mais non, je suis pas un boss, c'est vous les boss. Et c'est Joël le boss. C'est quoi ça? Plein. Je te dis que c'est un axe. Mec, c'est un camion, j'avoue, il y avait un putain de groupe. C'est des pilules pour le sport, tu sais, c'est des protes. Il voulait être barriqué. Bon bah je le trouverai pas mes 5 pilules. Hein. Joël, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Encore désinfecté, je vais bien. Viens ouvrir la porte. Oui bah si je veux, tu commences pas à être autoritaire comme ça. C'est des tic-tac, t'inquiète. Des gros tic-tac. Hop. Merde, je crois que du coup je peux pas là. Mais waouh, 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 Joël, si t'arrives. Moi je pensais qu'il y avait une partie où on contrôlait Ellie. Essayons la porte. Ça va arriver. Ça va arriver. Ouais, allez, passe. Là. Non, je crois pas. Pourquoi il y a des infectés aussi près du labo? Bill s'en servait pour se protéger. Si ça se trouve, ils font pareil. Toujours pas de... Ouais, c'est possible. Allez. Toujours pas de pilule. On commence à être un petit peu plein partout. Là, on commence à être bien là. Là, on commence à être quand même bien, bien, bien. Va-t'en. Dégage. Là, il y a des bric-à-brac pour construire. Toujours pas, hein. Allez, file. Allez. C'est vrai que maintenant faudrait augmenter nos munitions. Tu connais ce genre d'endroit? Quoi, à l'université? Ouais. Non, en tout cas pas pour étudier. Oula, oula, Joël. J'étais jeune quand Sarah est née. Oula. T'as été marié? Pendant un temps. Juste un temps? Qu'est-ce que ça veut dire ça, Joël? C'est trop. Exact. On a donné vie à Sarah à l'université, Joël? Il était si jeune que ça? Allez, ouais. Va-t'en. Allez. Pendant six lucioles, ça va redonner espoir, ça. Tu crois qu'il reste des lucioles en vie? J'espère. Eric Kriegs. Bonne nuit, à demain, merci, je finirai sur YouTube. Bah, bonne nuit, mon Younes. Passe une bonne soirée, merci beaucoup.
Il disait qu'il a eu ça jeune, c'est parce qu'il a arrêté ses études pour aller bosser. J'avais pas vu ça comme ça. Eh, là-bas alors. Ouais, ça ressemble à une entrée. Ce que j'avais en tête, mais pourquoi pas. Why not? Ok, on y est. Allez, donne-moi ta main. Et voilà. Merci. Ouais, ouais, il avait la trentaine quand Sarah est décédée, ouais. Parce que là, il a la cinquantaine, c'est 20 ans plus tard. Donc, il a dû avoir Sarah relativement tôt. Sarah avait 12 ans. On se met au travail. Alors, qu'est-ce que je peux améliorer sur lui? Il permet de recharger pour atteindre plus rapidement. Augmente la portée de l'arme. Ça, c'est bien, la portée de l'arme. Je crois que si je suis en train de réfléchir, je crois qu'il avait 32-33 ans. 33-34 ans, je crois. Hop. Et on va augmenter la vitesse de rechargement. Ce sera déjà très bien. Voilà. Ça ira très bien. Bah je sais pas, parce que s'il avait 34 ans, ça veut dire qu'il l'a eu à 22 ans. Tout dépend effectivement de l'âge où... Sarah avait 12 ans. Je sais pas si je dis pas je crois que c'est à 19 ans qu'il a eu Sarah. Je crois. Ça on aime. Allez. Ça on aime un peu moins ça. Pas une brique là. Pas une brique qui traîne. Hey, si, voilà, il y a plein de briques. Tu vas me dire que là tu peux pas ramasser une brique? C'est une blague. Ok, c'est une blague. Y'a quelqu'un? On ferait mieux de rester discret tant qu'on ne sait pas ce qui se passe.
Ça vous dit pas de me donner une pilule? Non, je peux pas frapper parce que j'ai pas d'arme pour frapper. Rien d'intéressant. Y a rien d'autre ici que tout un fatras médical. Je comprends pas. On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse. Peut-être pas tous. T'éloigne pas. Je crois pas qu'on puisse taper dans les vitres. Faut jouer à rien. C'est bon signe, non? Il faut qu'on trouve où ils sont allés. On est dans un laboratoire scientifique. Si ici il n'y a pas de pilule. Et salut, bonsoir. Salut, personne. T'as besoin de briques pour taper ce que t'as vu. C'est des briques figurantes. Mais c'est exactement ça. Elles étaient là pour faire joli. Ah, ben voilà. Ah, mince, c'est pas celui-là que je voulais. Bon, tant pis. C'est quand même bien. Si un claqueur m'attaque, on meurt pas tout de suite. Un peu déçu quand même. Et 10 pilules supplémentaires. Ah, de la vie. Voilà, comme ça on est full. Des munitions. On va en avoir besoin. De quoi améliorer nos armes. On va en avoir besoin aussi. On s'en fout, on a. Ok. Ils ont laissé beaucoup de choses, ces lucioles. Hein. Pas très maniaque, hein. Bah, peut-être qu'à force de chercher, ils se sont transformés en singes. Continue de chercher, on trouvera bien quelque chose. Qu'ils aillent au diable. C'est vous qui avez fait le plus gros sacrifice dans tout ça.
Si quelqu'un mérite de retrouver la liberté, c'est... Hé hey, tout doux ah. Heureusement qu'on n'a pas eu affaire aux singes. Je sais, cherchons encore. Quel con, il s'est fait bouffer par... Il s'est fait mort par un singe infecté. Putain, mais sans déconner. Soit tu fais des tests sur les animaux, soit tu le fais pas, mais tu assumes. Si tu les as infectés, tu vas pas les libérer. Ils sont cons, c'est un truc. Non, sans blague. Je suis mort. Ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de nous. Je n'ai plus envie de continuer. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez. En train d'essayer de se trouver. Bah, en gros, le pieu que tu te prends dans le bide, ça touche une artère ou un, ouais, un élément central, t'y passes, hein. C'est pas tout près, enfin, à cheval. Quoi? Les lucioles? Baisse-toi! Oh putain, mais c'est qui ce type? Pas les lucioles. Peu importe, on sait où aller. Allez, viens, on fiche le camp d'ici. Il a pas esquivé ce bâtard. On prend la hache. Ah oui, d'accord. On va aller dans tous les sens, ces bâtards. À ta gauche. C'est bon. Le perds pas. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
sont là, eux. Tu me lâches pas. Non, faut descendre. Oh, mais c'est pas possible. Oh non, mes couilles. Putain, mais je me prends une balle, je crève, c'est quoi ce bordel? Ma vie elle est full. Mais non, pas là, mais quel abruti. Super chaud. Bah, salut les gars. Salut, salut. J'ai pas compris le projet non plus. Alors ça dans la série c'était pas possible. Parce que là c'est sûr qu'il décède. Il décède, y'a même pas de débat. Que je fasse quoi?
tire. Ok. Allez, c'est prêt? 1, 2, 3. Tire. Ça retourne un peu le vide, hein. Putain de cheval. Il a pas de chance quand même, parce que à 2-3 cm de plus, son sac à dos aurait pu bien amortir. Joël, tu vas bien? Ça va. Ça va. Salut Maro. Tu Maro. Ah bah oui là. Ouais. Ok. Là t'arrives pas au super bon moment. Hein. Merde. Allez, bouge. Merde. Je vous vois. Allez. Bon, reste ici. Je vais coincer ce connard. Allez. Merde. C'est mes potes que t'as descendu, enfoiré. Sors-toi là. T'as envie de jouer au plus malin? Merdeuse. Là, je suis sur PS5 là. Sur PC c'était absolument pas possible. Putain. Il faut qu'on te fasse sortir. Heureusement que ça transperce. Il aura pas d'hémorragie interne, j'ai vu toutes les censures. Tu vas pas bien. Ça va super Marao, merci, et toi? Allez, viens. Dépêche-toi. Il y a personne. Dépêche. Tu t'en sors bien. Continue. Oh non. Tiens-toi à moi. Non. Tu peux marcher? Oui. Alors marche, merde. C'est autre chose que le bout de bois. Ah ben là. Allez. Incroyable cette séquence. Avec Joël qui galère et tout, la musique encore, la musique, c'est un personnage à part entière, hein. C'est un personnage secondaire la musique, hein. Clairement. Hey, Joël! Derrière toi! Quoi? Allez! La gamine est armée! Faites gaffe! Oh merde! Oh merde! Petite ordure! Allez, lève-toi. Mets ton bras sur moi. Allez, on y va. Je te jure, si jamais je... Elle est badass, vrai, mais carrément qu'elle est badass. Tu rêves. Reste là. Je vais ouvrir. Allez. Et voilà. Allez. Monte sur ce cheval. C'est mille fois plus poignant que dans la série. Ouais, sur ce parcelle-là, je suis d'accord avec toi. Tu peux monter? Allez. Je crois que c'est bon. Joël? Joël! Merde! Joël! Attends. Lève-toi. Dis-moi quoi faire. Allez, tu dois te relever. J'adore comment avec la série j'ai converti tous mes potes et ma famille à The Last of Us, ils ont adoré, mais je les ai rendus tristes aussi. Et ouais, hein, c'est ça le problème. Hein. Bienvenue en hiver, et on va revenir au menu principal. Pour enchaîner sur The Last... Comment ça?
Nouvelle partie. Ok. Ok, ok. Pour enchaîner sur Left Behind, et on continuera et on finira. On finira du coup le The Last of Us une fois qu'on aura fait Left Behind. Comme ça, on est vraiment incrusté dans le. Quoi? Les Lucioles? Baisse-toi! Oh putain, mais c'est qui ces types? Connard! T'approche pas! Joël! Mets ton bras sur moi! Allez. Très bon DLC, Left Behind. Je crois que c'est bon. Joël? Joël! Merde! Joël! Attends. Ah, lève-toi, lève-toi, lève-toi! Ah, pour l'épisode? Bien vu. Dis-moi quoi faire! Allez, tu dois te relever! Joël! Je sais que tu fais partie de Naughty Dog Mag, je voulais te dire un grand merci pour le pitch de Last of Us. J'ai fait car avant la série, ça m'a permis de découvrir toute ma famille. Ben de rien. Ben, je suis même fondateur, créateur de Naughty Dog Mag. Mais merci beaucoup. Merci, très content. C'était super drôle. Malheureusement, le film n'est plus disponible puisque avec les nouvelles politiques confidentialité de YouTube, ben, on a été. Enfin, ils nous ont strike. 70 heures de travail envolé. Je sais même pas combien de temps. 45 jours. Enfin, 46 techniquement. Tu veux savoir ce que j'ai fait? Pendant tout ce temps, j'ai cru que t'étais morte. Ouais. Tiens. Regarde. Sans déconner. Toujours pas de coloc? Moi, j'ai dû dormir en dessous de Lise pendant 3 ans, et tu sais à quel point cette fille pue. T'es une luciole. C'est cool que tu l'aies encore. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de pas me faire prendre avec une luciole dans ma piole. Détends-toi. Crois-moi, il y a aucun seul. J'ai pas vu sinon, bravo et merci pour mon petit agréable. Bah avec grand plaisir, merci beaucoup Marao. Merci. C'est cool que tu connaisses déjà. Pas obligé de savoir qui a créé, qui en fait partie, si tu causes, c'est déjà cool. Et tant mieux si ça te plaît. Tu es disparu et tu m'en veux. Et je te dois une explication. Sortons d'ici et je te raconterai tout ça. Il va bientôt faire jour. Et j'ai un entraînement militaire. Tu sais, celui où on apprend à tuer des lucioles. Allez, enfile un pantalon et suis-moi. Je suis trop débile. Allez, on a déjà eu des ennuis, toi et moi. Merde. Allez, il me faut quelque chose. Fais chier. Voilà. Ok, je vais te retourner. Bonne soirée les gens, ça se lave à 5h. Bon courage à toi Logan. Et bonne soirée. Merci d'être passé. Tu devrais nous faire gagner du temps. Je vais chercher de quoi te recoudre. Ok. Jurillon, et merci pour le resub mon bonsaï. Merci beaucoup. Mmh.
vite. Je te promets. Et salut Derrickson. Bienvenue à toi. Bienvenue sur le live. Pharmacie Weston, pile poil ce qu'il me faut. Oh, je rêve. Elle a gobé les médocs et laissé la boîte. Il y avait des pilules là. Ils ont tout dévalisé. Le pharmacien. Il aura peut-être quelque chose sur lui. À droite, 30 à gauche, 31 à droite. Impec. Merde, des sports. Si vous voulez me sauter dessus, me faites pas non plus poireauter. Sort d'où lui? Qu'est-ce que c'est pratique ça? Qu'est-ce que c'est pratique de pouvoir les buter avec Ellie? Et salut Rocker! Bienvenue! Bienvenue sur le stream!
l'armée. Il aura sûrement ce qu'il me faut. Accroche-toi, Joël. Faire de suture. Bon, je me contenterai de ça. Pas se soigner tout de suite. Putain, j'ai aucune. Ouais, j'ai rien du tout là. C'est parti. Dépêche. Là-haut. Eh ben, c'était chaud, hein. T'as été rapide. Je suis bluffée. Merci. Allez, viens. On y va. Dis, comment tu t'y es pris ? Pour les lucioles ? Ouais. Tu te souviens la luciole que t'as mordue pour lui piquer son flingue ? Ouais, je m'en souviens très bien. C'est Trevor. Je te raconte. Un jour, je l'ai vu marcher dans la rue et je l'ai suivi. On est entré dans une ruelle et là, les lucioles me sont tombées dessus. Elles m'ont emmené droit dans leur planque, chez Marlène. T'as eu peur ? Carrément. J'ai cru que cette fois, elle allait me trucider. Mais en fait, elle m'a dit « T'en as mis du temps ». Comme si elle m'attendait. Et t'es juste devenue une Lucien ? C'est un peu ça. Le coup de l'embuscade pour me tuer, c'était un test. Elle voulait être sûre que j'étais motivée. Oh. Même là, dans le jeu, Ellie, elle est beaucoup moins réticente envers les Lucioles que dans la série. Et t'as trouvé la lumière ? Oh, Oh, désolée, je voulais pas me moquer de votre démarche. Bon, alors, t'es à fond dans leur trip maintenant ? Je t'assure que je suis pas un soldat. Trente jours, mon cul. Les gens se font infecter tout le temps, ils le cachent bien, c'est tout. Ne dis pas que t'es tombé sur d'autres infectés ? Oh merde, planque-toi! Oh. Oh. Pardon. Je suis un peu sur les nerfs, là. Fais gaffe, ça glisse. Eh, hey, dis. Et si je rejoignais les Lucioles? Ellie, c'est le premier truc que j'ai demandé à Marlène. Elle veut que tu sois là. Déjà, leur donne beaucoup de critiquer. Je suis même pas censée venir te voir. Malheureusement. Ouais, ça la concerne. Elle a peur que je te. Qu'est-ce qui n'est pas critiqué en 2023, les amis ? Tout est critiqué. Hein. Hé, hey, tu te souviens la première fois où je t'ai amené ici ? Qu'est-ce qu'on fout ici, Riley ? J'ai une surprise pour toi. Quoi ? C'est un dinosaure ? Peut-être. Je veux bien faire la paix si c'est un dinosaure. Je dirai rien, tu verras. Tu sais, je les ai repris. Nos pistolets ? Tu déconnes ? Tu veux me faire croire que le caporal tête de nœud te les a rendus ? Bien sûr que non. J'ai farfouillé dans son bureau. Riley, je les avais dans les mains. Mais tu t'es fait pincer. Mais je me suis fait pincer.
C'est dingue que Winston soit mort. Tu sais ça? Ouais. Tu sais ce qui s'est passé? Il paraît qu'il est tombé de son cheval. Une crise cardiaque, je crois. Merde. Mais bon, il y a encore combien de morts naturelles de nos jours? Aucune, je crois bien. Tu l'as dit. On va voir ce qu'il nous a laissé. Quoi? C'est Winston? Waouh, il était pas dégueu. Bingo! T'en veux? Ouais. Fais gaffe, c'est pas de la bière. Oh, je t'en prie. La vache! Tiens, c'est dégoûtant. Eh oui. À la tienne, Winston. Ouh! C'est fort. Allez. Mais où est Princesse? Ben, sans doute qu'à la mort de Winston, ils l'ont emmenée. Pauvre jumeau. Elle doit être terrorisée. Merde. Ellie, aide-moi à lever ça. Si le cheminement de j'ai toujours peur qu'on se fasse écraser. Du DLC n'est pas du tout comme dans la série. Tu sais quoi? Si on trouvait un autre passage. Ouais. Pas mal. Hé, Riley! Tu sais quoi? Je vais te faire la courte échelle. Ça s'ouvrira peut-être de l'intérieur. Ça marche. Riley ? T'es nul, ça fait deux fois aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on soit jamais venu ici? Viens là, j'ai justement le masque qu'il te faut. Riley. Parfait. Les fameux masques. Regarde ça. C'est quoi ça, un loup-garou, un truc dans le genre? Enfile-le. C'était pire. Ouais, ça le fait. Et grogne. Ellie, sérieux? Fais-moi peur. Je t'adore. Mais voyons ce qu'on peut trouver d'autre. T'as pas le temps, Riley, là. Y'a pas le temps. Wow, regarde-moi tous ces trucs. Allez, go! Ah, j'ai une idée. Tu vois ces voitures en bas? Ouais. Toi, tu prends la rouge, et moi la bleue. La première qui casse toutes les vitres de sa voiture avec des briques à gagner. Tu déconnes? Je suis la pro du lancer de briques. Ok. La personne doit répondre à une question. Mais sincèrement. Ah merde, attends, c'est elle a dit quoi? Ou vérité, c'est ça? Moi, moi c'est la bleue. Okay, non, elle, c'est la bleue. C'est parti. Merde, je me rappelle plus. Ouais, elle, c'est la bleue. Touché et bim. Joli. Ah. Oh. Ouais, t'as vu ça? Deux cafés dans le mille.
avancer. Pardon. Putain. Plus qu'une. On va même se faire un kiff. Oh non, merde. Mauvaise voiture, grosse lave. Oh, oups. Oh non! Putain! Du coup, celle qui gagne! J'ai cru que t'allais m'avoir. Ok. Bon? Ça va, tu peux me dire merci. Hein? Allez, vas-y, balance ta question. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour que tout redevienne comme avant? Un vaisseau spatial. Et sans sarcasme? Genre un de ces vaisseaux intergalactiques géants, avec deux hyperpropulseurs. Ellie. J'en sais rien. Continue à faire ce que tu fais. Ça marche bien. J'avais jamais perdu au concours de briques. Du coup, j'avais jamais eu cette question. On y est presque. J'avais jamais eu cette question. Oh cool. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ça me file la chair de poule. Bon. Tu te rappelles quand on disait qu'il n'alimentait que certaines parties de la ville? Ouais. Ben, suis-moi. Donc, tu vois, toute la ville a du courant. Ils ont juste fait sauter les plombs. Il suffit simplement de les réenclencher. J'y crois pas, ça marchera jamais. Oh. Qu'est-ce que je t'avais dit? Attends, on a tout allumé, là? C'est ce qu'on va voir. Où aller encore? Oh là là. Tu vas pas nous faire une bile, hein? Ah si. T'es vraiment prête pour ça? Attends, je sais ce que t'essaies de faire, et... Ce moment-ci est incroyable. Je suis contente que tu sois en vie. Enfin... Je suis contente qu'on se soit retrouvés et... Je le pensais pas. Tous ces trucs que j'ai dit avant de partir, j'en pensais pas un mot. Je te le jure. Riley, t'es une vraie sentimentale. C'est toi qui as commencé. C'est pas vrai. T'es prête? Carrément. Wow, c'est pour de vrai? Vraiment cool ce DLC, peut-être un petit peu court effectivement, on va pas se mentir, mais vraiment cool. Oh merde, oh, putain de chat. Ah ouais, c'est un DLC celui-là. Ouais, mais c'est toujours là Loïc. Et oui, ça c'est un DLC. Et en fait, du coup, ce que je fais, c'est que je le fais pendant le jeu. Oh, au moment où il est censé intervenir dans le jeu. Putain! Tu veux me tuer ou quoi? J'ai chier ce choc. Salut François Mag, coucou de Budapest, première fois sur Noté Live, mais je te suis depuis 2013. Incroyable! Merci François, ça fait trop plaisir! Depuis 2013, incroyable! Incroyable! Team Rockstar Mag du coup.
Forcément. Forcément. Ouais, dans l'ordre chronologique, Loïc. On y est. Terminus. Rien. Mais grave, 10 ans. Enfin, vous imaginez pas qu'il y a pour moi aussi, je n'y crois pas. Donc, et j'en reviens pas que vous soyez toujours là au bout de 10 ans. Merci, les amis. Vraiment. Moi, je me demande à quoi vont ressembler les VOF quand Jesse sera sorti, car la plupart des questions sont sur ce quand Jesse, j'étais à 6. J'ai pas compris ta question, Anthony. Le tour, on aura bien récupéré. Hop. Ah, les vrais ou faux? Ok. Putain, heureusement que Axeman y suit, hein. Bah, il y aura beaucoup de questions sur le jeu, sur des comment faire ci, comment faire ça, etc. Puis il y aura déjà des questions sur GTA 7, nos trolls. Puis il y aura des questions sur les prochains jeux Rockstar, etc., etc. Puis voilà. Après, c'est vrai qu'il y aura aussi beaucoup moins de questions, c'est sûr. Concernant Naughty Dog, tu dirais que tu préfères la série The Last of Us ou Uncharted perso? Uncharted, j'ai juste joué perso. Pour les Uncharted, j'ai juste joué aux 4 CDSC. J'ai pris une sacrée claque. Je te conseille vivement de découvrir la Nathan Drake Collection sur PS4. Je ne te cache pas que ça a un petit peu mal vieilli. Je ne te le cache absolument pas. En revanche, ça vaut vraiment le coup. Et après, tu te refais Uncharted. What? Quoi? What? What? Il est arrivé d'où?
comment il m'a fait flipper. Waouh, comment il m'a fait flipper. Je l'ai pas vu arriver. J'avais pas de mec dans les... Mais moi non plus. C'est la première fois que... Attends, il y en a qui arrive, non? Moi non plus, j'avais pas les mecs sur les conduits. Et ils m'ont bien fait flipper. Enfin, il m'a bien fait flipper ce bâtard. Et salut Mimira. Voilà, il y a du monde là, j'ai pas vu. Bon, après, ce n'est que dans 1 ou 2 ans. On verra bien Phenomena 4 début 25 dans ces zones là. Justement, je l'ai, mais j'ai eu le courage de le lancer car j'avoue être un peu effrayé par le côté ancien. Mais j'imagine que les 4 reprend encore. Ah, mais clairement. Uncharted. Alors, pour répondre à ta question. Je préfère The Last of Us parce qu'il est quand même vraiment, enfin, narrativement parlant, voilà. Enfin, je suis complètement sur Uncharted, sur The Last of Us, mais Uncharted fait partie de mes licences préférées et j'ai pris une claque monumentale, notamment avec le 4. Mais par contre, en termes d'impact et d'ampleur, il faut en fait faire dans l'ordre. Ça va mais décupler mais tellement. Tellement ton expérience. Donc je te conseille. C'est vrai qu'il y a que le premier qui a mal vieilli. Le premier, c'est vrai, il a un peu mal vieilli, c'est un peu compliqué. Par contre, voilà. Le 2, le 3, incroyable. Et le 4, voilà. Okay. Mais je te conseille vraiment. Parce que tu vas retrouver Nathan, Elena, Sully, etc. Et tu verras que ton expérience narrative et de gaming et de divertissement n'est que voilà, n'est que décuplé quoi. Donc je te le conseille vraiment. Faut pas passer à côté des 3, surtout de Uncharted 2 et Uncharted 3 qui sont incroyables. Hey Alex Asman, salut Chris, je viens juste passer le bonsoir. Dis-moi par curiosité combien de fois as-tu fait le jeu remake compris en tout. Là, c'est la 11e fois, Alex. C'est la 11e fois que je fais ce premier The Last of Us. Hâte de voir le reveal de son décor, je suis trop hypé. J'espère le faire d'ici fin mai. J'espère le faire d'ici fin mai. Ce serait vraiment cool. Oui, c'est Lumière-Val, j'ai vu. Est-ce que tu comptes faire The Last... Oui, bien sûr. On finit The Last of Us partie 1 et on enchaîne sur The Last of Us partie 2. Donc bien sûr, bien sûr. Ce sera sans doute la semaine du 20 avril, du 23 avril pardon, puisque là demain on va sans doute finir, je pense. Je pense qu'on va finir, The Last of Us partie 1. Donc je pense que demain ouais, on va le finir. Mercredi, ce sera mon dernier live de la semaine et pendant une semaine. Et ça va être un live, comment ça s'appelle, multigaming sur du Among Us, etc. Gartic Phone, K-Culture, ça va être très drôle.
Franchement, je vous... J'ai pas envie de vous trop de vous teaser, mais mercredi, ça va être gros live. Et ensuite, quand je reviens la semaine d'après, on enchaînera sur... sur The Last of Us Partie 2. Moi, je l'ai fait 3 fois et dire que la première fois en Day One, je l'ai pas fini car j'avais pas aimé. Je l'ai refait juste après la sortie du 2 et j'ai adoré. Et j'ai fait le remake aussi. Et bon, le 2... Ah, le 1 et le 2, c'est deux expériences complètement différentes. Hein. C'est deux expériences complètement différentes. Et j'ai vraiment du mal. En fait, dès que je refais le 1, je me dis « Ah ouais, non, mais c'est le 1 mon préféré. » Et dès que je refais le 2, je fais « Ah, mais non, c'est le 2 mon préféré. » Du coup, c'est un petit peu compliqué, mais ouais, c'est des expériences incroyables. Là, il y a deux de mes potes préférés qui est tout le temps dans des jeux vidéo. Là, le 2, il y a un de mes potes préférés de tous les temps dans le JV, donc je ne peux pas tester. Mes persos préférés. C'est qui? C'est Abby. Abby? C'est vrai que ouais. Abby, c'est sacré personnage. Abby, franchement, interprété par Laura Bailey. Et j'avoue que Abby, j'aime beaucoup aussi. J'ai jamais autant ressenti pour toi qu'un perso de JV. Ouais, je peux comprendre, je peux totalement comprendre. Même si c'est un peu l'ascenseur émotionnel, mais je peux totalement comprendre. Quoi? Mais comment ça? Comment ça? Je me suis approché tout doucement. Non mais c'est pas possible. C'est quoi ce bordel? Bordel! À quel moment maintenant le claqueur est. C'est un peu HS, mais j'ai vu certains membres du staff de Rockstar Mind, Alex et Antazuris, qui travaillaient sur un projet de mode de Las Venturas, sa région de GTA 5. Ça a l'air d'être vraiment intéressant. Est-ce que tu en parleras un jour? Car le projet est vraiment intéressant. On en a parlé sur Rockstar Mind, on a fait un article. Et oui, effectivement, ils sont sur un énorme projet qui, j'espère pour eux, aboutira. Parce qu'on connaît Rockstar, enfin Take-Two. Bonne soirée Alex, merci beaucoup. Ils sont chez eux désinfectés maintenant. Faut croire. Ah bah j'ai dû passer à côté de l'article car ça a l'air super ambitieux et vraiment bien fait. Oui, bah sur Rockstar Mag tu fais la fonction rechercher et c'est tu tapes juste Las Venturas et tu tomberas sur le truc. Mais ouais, franchement, ils ont un très très gros projet, très lourd. Et bah nous on est veillé de trop en parler parce que techniquement on n'a pas trop le droit.
ouais, franchement, c'est du lourd. Bon, bah là, l'avantage, c'est que maintenant, comme on a buté tout le monde, on va pouvoir fouiller tranquillement. On va pouvoir fouiller tranquillement. Bien sûr, il n'y a rien à récupérer, il n'y a pas de loot. Il n'y a vraiment pas de loot là, il n'y a que ça. Sérieusement? En plus, c'est vraiment de voir s'y connaître, très intéressant sur Twitter. Il est passionné par ça, Alex, donc du coup, il se renseigne de ouf et ouais, il fait des threads trop trop cool. Du coup, ouais, c'est super. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a un peu rejoint Anta dans ça. Et tous les deux, ils parlent beaucoup tous les deux sur ça parce que allez, Anta, c'est son métier. Et donc, du coup, c'est vrai que même pour nous, on a le droit à quelques petites explications qui te permettent de comprendre des choses, qui te permettent de faire des recherches et en faisant des recherches de trouver des infos. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est cool. Allez. Retour à la case départ. Mais attends, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'infecté là normalement. Merde, je suis bloqué. Mais il n'y avait pas d'infecté là normalement. J'ai pas souvenir qu'il y avait des infectés ici. Enfin des claqueurs même. Vont voir la lumière dans le centre commercial, non? Non, les lumières extérieures marchent pas. Comment tu le sais? C'est cette luciole, Mélanie, qui m'en a parlé. Ça a l'air cool. Tu veux essayer? Oui, je vais essayer. Ok. Ouais! Bien accroché? Qu'est-ce qu'on fait là? Oh, Riley, viens là. Non, tu t'en sors très bien. C'est pas croyable, c'est trop mortel. Ah oh, ouais. Crâle, encore la musique. Hein. Together. Allez, viens là, monte sur celui-là. Allez, j'arrive, attends. Non. Allez, je viens de monter. Ah oh là 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 là. Ah, c'est nul. J'ai adoré. Et j'assure. Allez, musique de son jeu, François, on est d'accord. Oh, j'ai trouvé autre chose.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un cercle pourrait bien dire à un triangle? Qu'est-ce que c'est? Tu tournes pas rond. Putain, t'as trouvé un livre de blagues! Sais-tu quel est le plat préféré des cannibales? Le croque-monsieur. Les croque-monsieur! Tiens, je te le donne. Mais avec ça, on redevient amis pour la vie, tu sais. Je dis ça comme ça. Je prends le risque. Je dis ça comme ça. Ok, t'es prête? J'écoute. Quand deux cacahuètes s'en vont au resto, la note est salée. Ah! Je me marre. Elle est très drôle. Un œuf dur, c'est bien galère à battre le matin. C'est très drôle. Si, c'est drôle. J'aime bien celle-là. J'ai commencé un livre sur la pesanteur et c'est impossible de leur opposer. Ouais. Ouais, celle-là, elle déchire. Qu'est-ce qui rapproche un facteur et un jongleur? Ils ont tous les deux énormément d'adresse. Oh, oh. C'est deux pétards mouillés qui se croisent. Et toi alors, ça boume? C'est vraiment stupide. Je voudrais dire que cette musique de Red Dead Redemption 2 sont pas dans le même thème à se demander si c'est pas une forme d'inspiration ou de rage déjà avec des bandes dans son genre. C'est vrai qu'il y a certaines musiques de Red Dead que... C'est aussi, de prendre les aiguilles. Je me suis fait un petit peu le même, ouais, la même les réflexion. Aiguilles, les horloges. J'en connaissais une bonne sur les amnésiques. Mais je m'en souviens plus. Classique. Quand les plombs ont fini par sauter, il les a toutes fait fondre. J'ai pas compris. C'est une petite pomme qui a grand peur de mûrir. Ah, c'est sympa. C'est trop, trop mignon. L'ambiance autour de la chaise était très électrique. C'est... Ouais. Glauque. Un peu glauque. Ah, j'avoue. Quelle est la lettre préférée des pirates? Ah, je la connais. Non, c'est bien l'eau. Oh, comme la mer, l'eau de la mer, l'océan. C'est la mieux pour l'instant. Ouais. C'est le moment, cette scène, car les blagues, ça les fait oublier le monde post-apocalyptique. C'est trop ça. C'est trop ça. Danser. C'est ça qui est beau, c'est que dans le jeu, t'as des... C'est ça la blague? C'est plus qu'un jeu de mots. T'as des scènes vraiment... qui donnent de l'espoir. À la une de ce matin, un ophtalmo trouve la musique, la mort. Toujours la nuit. Les détails sont flous. Ah oui. C'est mignon. Waouh, j'adore ce bouquin. C'est un vieux magicien qui se fait poser un lapin. Ah, oh, ok. Oh, c'est pathétique. Ouais, okay. Nul. Le cannibale lui dit qu'elle est à croquer. Oh, quel génie! Elle est à croquer! Alors il va la manger! Pas drôle! Le problème du vitrier, c'est de se tenir à carreau. Oh la vache! Wow, la musique, tu pourrais rester pendant des heures, tu vois. Les blagues sont éclatées, les blagues sont nulles, mais. J'ai perdu la pêche! j'ai entendu parler du type à qui on cassait du sucre sur le dos. Par chance, il n'est pas diabétique. En vrai, il y en a beaucoup de blagues. Ouais. Vous en fait combien? On dit pas la maîtresse d'école, on dit l'institutrice prend l'avion. Oh. Non, c'est mauvais. Ouais. La constipation, c'est héréditaire. Une gêne de famille. Oh, non, des dieux. Allez, je mets ça de côté. Eh ben. Eh. Merci. On finit vraiment sur une blague de merde. Constipation, merde. Hein, voilà ceux qui ont la référence. Merci. Un photomaton. Ellie, faut trop qu'on le fasse. Comment ça marche? Il doit suffire de suivre les instructions. Il me. Tu veux que je le fasse? Non. Tu sais. Merci François. Merci. Et c'est parti. Et je crois qu'il y a eu un follow, mais j'ai pas tu encore reçu. Amour. Amour. Je crois que j'ai pas reçu la notif encore. Dans tes rêves. Ça sera amour. Merci Xbank. Merci.
Content de voir que vous adhérez à mon humour de merde. Encore. Merci Reda. On fait l'ange. Et salut Arnaud. Bienvenue. Dinosaure. Oh non. Ah, ah, on fait une grimace. Ok. Face dorée, face dorée. Ok, on va faire une grimace. Ok. Allez, on est sexy. Trop sexy. Oh, c'est fini. Ah. Ok. Oh, elles sont géniales. C'est quoi Facebook? Genre, ça imprime ta tête dans un lit? Oh, on a qu'à juste imprimer les. C'est quoi Facebook? Ah, c'est du coup. Bah oui, Facebook, ah, c'était en 2006. Donne-nous des photos. Et donc, du coup, elles ont pas connu elles. Oh, je rêve, ça va vraiment marcher, j'hallucine. C'est clair. Fais réessayer. Ah. Quoi? Oh, fais chier, ça me saoule. Peut-être quand. Tapant dessus. Ah. Oh. Bah, ça marchera beaucoup moins bien. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? Je crois qu'on l'a cassé. Oui, c'est possible. Donc... On reprend les recherches? Carrément. Carrément. Je hais cette pauvre fille. Elle insiste pour se faire détester ou quoi? Carrément. Moi, je ferai comme ça. Attention. La garde de 6 heures commence dans 10 minutes. Ok, à mon tour, à mon tour. Tout citoyen doit être muni en permanence d'une pièce d'identité valide. Dénoncer tout individu suspect à l'administrateur de zone le plus proche. Vigilance. Agissez pour sauver des vies. Fait du surplace. Ouais, ce serait carrément mieux. Oh, elle rigole. Il faut trop que je retente. Allez, Riley, là, on n'a pas le temps, là. Oh, putain, c'est dingue. Je te l'avais dit. Et là, il y a le petit easter egg à Jack and Dexter, Jack X. Cool. Je démarre le moteur... Et donc là, c'est mes flingues. On va faire un petit tour. Ma mère, ça tourne sévère. Putain, il me fonce dessus. Ellie franchit la ligne en tête. Ah, une course de tir. Ce jeu est stupide. Non, me dis pas qu'il est foutu. Ouais, et bien foutu. L'espace d'une seconde, j'ai cru que j'allais jouer. Tu peux jouer. Comment? Ok, viens là. Ferme les yeux. Fais-le. Ok. Bon, faut que j'essaie de faire le sans faute. Bouge avec la dernière ça. Fois, j'ai fait une faute point, quand j'ai fait le remake en septembre. Contre avec ça. Ok. Mais choisis d'abord ton personnage. Tu vas incarner l'impitoyable, redoutable et très magnifique Angel Knives. Angel Knives. Et je suis censée tout imaginer? Ferme les yeux. Ok, pardon. Elle est tout près du Temple des Ombres. Un bâtiment mystique et ancestral où ont lieu les tournois des immortels. Ton adversaire, Black Fang, sort du temple.
c'était un gars blanc ultra baraque, avec trois bras. Son but, c'est de te faire la peau. La musique part et il se met en position de combat. Les expressions faciales, c'est incroyable. Début du premier round, Black Fang se précipite sur toi. Il t'envoie un double coup de poing dans la face. Saute! Maintenant, il t'a dépassé. Tu atterris derrière lui. Frappe-le dans le dos. Tu le calmes avec un bon gros coup de coude et il perd genre 15% de santé. Oui! Il se retourne et revient avec son attaque de la griffe fatale. Qu'est-ce que je fais? Maintiens gauche et contre pour parer. Tu soulèves les coudes juste quand il fait son combo. Tu recules, mais t'es pas blessé. Le dernier contre lui fait perdre l'équilibre. Il peut se relever à tout moment. Contre-attaque avec une ascension divine. Bas, haut, pied. Joli. Il t'a eu. Un beau point pour sortir. Fais haut, bas et pied pour une charge de l'arme. Parle. Tu le tiens. Bas, avant, point pour le coup spécial. Ouais, défonce-le. Putain, c'est celui-là que je me suis loupé encore, putain. C'est trop chaud parce qu'en vrai tu veux pas faire le coup de trop. Putain, t'as pas envie de faire le coup de trop? Ah oui, merde. L'écran s'assombrit. Les larmes d'Angel Knives scintillent. Ce plan il est magnifique. Là où t'as juste la lumière, encore, je trouve que le plan il est sublime. Jusqu'à ce que son cœur jaillisse dans les airs. Elle se met en position et lance un coup de pied qui lui arrache la tête. Un geyser de sang recouvre toute la surface de combat. Oh, cool! Ultra kill dans ta face. Angel Knives lève le poing en l'air. Encore gagné. Yes, tu m'étonnes! Pas mal pour une première fois. Alors? Je te sens pas. T'as adoré. Ouais, ok, j'avoue. T'as entendu? Eh, tu sais, on devrait rentrer. Moi, il faut que je rentre. T'as largement le temps. Riley, écoute, j'ai vraiment plus le droit à l'erreur, là-bas. Demain, on reprendra là où on s'est arrêté. Ouais, ça nous permet d'imaginer aussi, ouais. Je peux pas. Bon. Ben, un autre jour, alors. Ok, la Luciole, alors quand? Ils m'ont demandé de partir. Partir d'où? De Boston. Je dois rejoindre un groupe dans une autre ville. Je leur ai bien dit que je voulais rester ici. Mais tu sais comment est Marlène. Rien n'est simple avec elle. Elle veut me tester. Ils viennent me chercher demain. Ok. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, t'as pas des conseils d'amis? Je suis sérieuse. Pourquoi tu m'as fait venir ici? J'avais envie de te voir. Non, pourquoi tu m'as fait venir ici? Je sais pas. Je sais pas. Tu veux un conseil? Vas-y. Allez, on n'a qu'à se dire au revoir. Je vais aller voir d'où vient cette musique. Riley! Riley! Oh, fais chier. Mais où elle est passée? Riley! Riley! Les amis, c'est sur cette petite dispute entre Riley et Ellie que le stream de ce soir va tranquillement s'achever. Nous, on se donne rendez-vous dès demain, les amis, pour la suite du live. Donc, on terminera le DLC Left Behind et on enchaînera sur la fin,
sur la partie hiver avec Ellie. Et j'espère que de votre côté, vous avez kiffé le live de ce soir. Pour moi, c'était un grand plaisir de vous retrouver. Passez une bonne soirée. Merci à Tila. Bonne soirée. Bonne nuit à toi aussi. Bonne nuit, Reda. Bonne soirée à toi aussi, Maxime. Merci à tous. Prenez soin de vous. Toujours là, mon Reda. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et nous, on se dit à demain. Bonne soirée. Salut à tous.